La puissance de la gratitude. La puissance de la gratitude. Psaume 136, et là on va le lire de la parole de vie, parce que c'est un petit peu différent par rapport au Louis II. Mais si vous avez le Louis II, vous pouvez le lire dans votre Bible. Psaume 136, verset 1 jusqu'à verset 3. Dites merci au Seigneur, car il est bon. Lui, son amour est pour toujours. Dites merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Lui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur, le plus puissant de tous les maîtres. Lui, son amour est pour toujours. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et puis, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 18 et 19. 1 Thessaloniciens 5, 18, 19. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et vous voyez que éteignez l'esprit est lié directement à un cœur reconnaissant. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait déjà dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, et nous te remettons maintenant ce temps dans la parole. Nous te prions vraiment de nous accorder à chacun cet esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous le prions. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, je sais qu'en France, on a eu quand même de grandes fêtes cette semaine. Il y avait la fête des Gilets jaunes. Et à mon grand étonnement, j'ai vu aussi que cette année, vraiment la France a fêté Black Friday. Et tout ça, cela a un petit peu inspiré ce message d'aujourd'hui. Surtout Black Friday. Est-ce que vous savez d'où vient Black Friday? Alors, à savoir qu'aux États-Unis, nous avons eu une fête cette semaine. Voilà, la fête de Thanksgiving. Alors, chose ironique, le Thanksgiving existe en Amérique depuis le 17e siècle. Black Friday existe depuis 10 ans. Et entre les deux, la partie que la France a adoptée, c'était Black Friday et non Thanksgiving. Extraordinaire. Ça m'intrigue. Pour vous donner un petit historique sur la fête de Thanksgiving, il faut savoir que c'est particulièrement une fête chrétienne. Je n'ai pas dit biblique, mais c'est une fête chrétienne. C'était au début du 17e siècle. Les chrétiens protestants en Angleterre étaient sévèrement persécutés. Ils ont pris la fuite pour aller aux Pays-Bas, là où ils ont constitué des communautés. Mais à cette époque-là, la société hollandaise était tellement dans l'immoralité que ces chrétiens anglais, ils craignaient vraiment par rapport à l'état spirituel et moral de leurs enfants. Ils avaient appris qu'avec des navires, ils avaient découvert tout un nouveau monde. Ils ont supplié le roi d'Angleterre à leur donner les autorisations d'y aller pour fonder une colonie chrétienne, pour qu'ils puissent adorer Dieu en toute liberté. Et ce premier groupe de chrétiens se sont embarqués. Il y avait à peu près 100 chrétiens dans un bateau qui s'appelait le Mayflower. Et ils sont arrivés à peine un mois avant l'hiver. Pendant ces prochains mois, quasiment la moitié de leur nombre trouve la mort. Et c'était vraiment un temps catastrophique. Mais un Indien nommé Squanto est venu à leur aide. Il avait déjà courtoyé les pêcheurs européens et grâce à eux, il avait déjà appris l'anglais. Et avec son anglais, il a pu communiquer avec ses nouveaux arrivés dans le Nouveau Monde, pour leur apprendre avec ce climat, avec cette terre, comment cultiver la terre et faire pousser la nourriture. Et tout au long du printemps, l'été, ils travaillaient la terre avec l'aide de cet Indien. Et à l'automne, ils ont fait une récolte absolument extraordinaire.
Et pour montrer leur reconnaissance envers Dieu, ils ont déclaré un jour de fête, 3 jours de fête en fait. Et ils ont invité toutes les tribus des Indiens. Et ensemble, Européens et Indiens, ils ont glorifié Dieu autour d'un immense festin qui a duré 3 jours. Et c'était vraiment la racine, la naissance de la fête de Thanksgiving. C'était des années plus tard, vers la fin du 18e siècle, que le premier président des États-Unis, George Washington, a proclamé, je crois que c'était vers la fin d'octobre, en 1789, il a déclaré un jour de reconnaissance et c'était la première fête de Thanksgiving. Il fallait attendre le président Lincoln que pendant les ravages de la guerre de Sécession, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire américaine, c'était vraiment une guerre horrible. Et des familles déchirées, divisées entre le nord et le sud. Et au milieu de la guerre, ce n'était pas pendant la victoire, c'était pendant la guerre et la misère de la guerre et la pauvreté de la guerre, il a déclaré une journée fédérale, une fête fédérale, une fête nationale de Thanksgiving en disant ceci, écoutez ça, rendons grâce et louez notre Père céleste bienveillante qui demeure dans les cieux. C'était le président des États-Unis lorsqu'il a inauguré la fête de Thanksgiving en tant que fête nationale. Voilà pour la séparation entre l'Église et l'État, n'est-ce pas? C'est une séparation institutionnelle, mais ce n'est jamais une séparation au niveau de l'influence. L'Église doit influencer, le chrétien doit influencer les politiciens. Amen. Amen. Parce que si les justes se taisent, on entendra seulement la voix des injustes, n'est-ce pas? C'était le président Roosevelt, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a fixé le quatrième jeudi du mois de novembre pour cette fête nationale. Et cette tradition a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est toujours fêté le quatrième jeudi du mois de novembre. Donc, je me souviens quand j'étais gosse, on commençait à mettre les décorations de Thanksgiving 2, 3 semaines avant la fête. On ne parlait pas de Noël. On ne voyait aucune pub pour Noël. Okay? Donc, et le jour après Thanksgiving, et Thanksgiving, c'est quel jour de la semaine? Jeudi. Donc, le lendemain, c'est le vendredi. Donc, vendredi était officiellement l'ouverture de la saison de shopping. Et c'était le vendredi, on échangeait les décorations de Thanksgiving et on mettait les décorations de Noël. Et c'est normalement, beaucoup de magasins commençaient des soldes pour justement inciter les gens qui ont pris la journée, qui ont fait le pont, parce que comme c'est toujours une fête nationale, donc la grande majorité d'Américains font le pont le vendredi. On a déjà mangé une grosse dinde. Et une dinde, en moyenne, un jeudi, il va peser entre 11 et 13 kilos. Non, mais c'est immense. Et on le mange pendant 2 semaines. Alors, incroyable. Et comme on n'a rien d'autre à faire le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On va au magasin pour commencer à acheter les cadeaux de Noël. Et c'était une tradition depuis aussi longtemps que je me souviens. C'était vraiment à l'innovation du shopping online, qui date d'environ 10 ans, que les génies de l'Internet, ils ont eu cette idée, mais pourquoi pas inciter les consommateurs de rester chez eux, manger encore un peu de dinde, et comme ça, ils peuvent faire le shopping online. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert la livraison gratos. Ils ont fait toutes sortes de deals. Tu achètes un, tu reçois le deuxième à moitié prix. Ils faisaient toutes sortes de trucs, voilà, de trucs pour justement inspirer les consommateurs de rester chez eux et acheter le vendredi. À partir de là, on appelait ça Black Friday.
Pourquoi? Parce que du jour au lendemain ou d'une année à l'autre, il n'y avait plus de consommateurs dans les magasins. Black, c'est la couleur de deuil. Voici d'où vient le sens de Black Friday. Ce n'est pas un sens de joie. Bon, avant qu'il ait venu en France. Voilà, voilà juste un petit contexte culturel. Et ce, pour moi, mes amis, vous savez, il y a vraiment un esprit de consommation. Et malheur l'Église qui ouvre la porte à cet esprit. Amen. Même votre place en tant que membre, il ne faut pas voir votre siège comme un droit de consommer uniquement. Enfin, la différence, j'ai toujours dit ça à mes enfants, quand ils voulaient inviter une copine à la maison pour un repas ou quelque chose. J'ai dit, tu sais quelle est la différence entre ma fille et une voisine? Quoi? La fille nous aide à ranger la table après le repas. L'invité, non. L'invité, c'est un consommateur. Un enfant, c'est un travailleur. Amen. C'est pour ça qu'on fait des enfants. OK. Thanksgiving. Dans la lettre aux Éphésiens, écoutez ce que Paul dit. Chapitre 5. À partir de verset 1, il dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Alors déjà, faisons une petite pause. « Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Qui est un enfant bien-aimé ici? Y a-t-il quelques-uns? On va prier pour tous les autres. Si tu n'es pas un enfant bien-aimé, tu es un enfant de quoi? Que à contre-cœur, Dieu t'a sauvé. Il ne le voulait pas, mais il était obligé. Hello! Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui le pensent. OK, cela ne fait pas partie de leur théologie, mais au fond du cœur, si tu creuses un petit peu, tu découvras que vraiment au fond du cœur, pour eux, ils ne savent pas pourquoi Dieu l'a sauvé. Que Dieu lui a sauvé. Il pense que vraiment c'était un peu à contre-cœur. Dieu n'a pas d'enfant sauvé à contre-cœur. Il n'a que des enfants bien-aimés. Et Dieu n'a pas de préféré. Il n'y a pas de deuxième classe dans le train de Dieu. Il n'y a que première classe. Classe de racheté. Classe de bien-aimé. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant bien-aimé. Amen. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Verset 3, que l'impudicité, qu'aucune autre espèce d'impureté, voilà, soit ôtée de nous. 4, il faut souligner ce texte. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienveillance. Bienséance, oui, les deux. Qu'on entende plutôt, quoi? Des actions de grâce. Comme des enfants. Qu'est-ce qu'un enfant bien-aimé dit? Merci. Merci, pasteur. Non. Mais, combien vous êtes parents? Et vous vous souvenez comment, ce que ça fait quand l'enfant il a 2-3 ans? OK. Parfois, on aimerait bien oublier cette période, mais parfois, je dis, mais à quel moment ça va vraiment entrer là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Merci. Je t'entends pas. Merci. Avec bonne attitude. Merci. Mais incroyable. Mais 1000 fois par jour.
On faisait le bourrage du crâne, mes amis, le lavage de cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est sale. Écoutez, un enfant n'est pas né en disant « Merci, maman, de m'avoir accouché. » Ah ben non, l'enfant dit « Plus, plus, plus. » C'est incroyable. C'est vrai ou pas vrai? Et si un enfant ne reçoit pas une bonne éducation à la maison, il va dire plus, 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 plus toute sa vie. Il se convertit plus, 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 plus. Il devient membre de l'Église plus, 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 plus. Tu vois, et il n'est jamais vraiment rassasié. Il ne peut jamais dire merci. Il faut apprendre à nos enfants comment dire merci. Le problème, c'est que beaucoup de nous, nos parents n'ont pas fait un bon travail. Et je ne regarde personne. La reconnaissance, la gratitude, comme des enfants bien-aimés. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Colossiens 2, verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui et affirmé par la foi, et abondé en actions de grâce. » Abondé en actions de grâce. Honnêtement, parfois, quand tu entends les chrétiens râler, comme les gens du monde, tout est négatif, tout est horrible, on n'arriverait pas, on n'est pas assez fort, Dieu n'est pas assez capable, oh ceci et oh cela, mais waouh! J'ai dit, mais ok, mais qui est racheté du monde? Qui est délivré de ce monde? Hello, je parle à quelqu'un? Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En quoi que vous fassiez. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie quotidienne que tu n'aimes pas faire? Ne me regardez pas comme si vous êtes au-dessus de tout ça. Quand même, je vous vois dans le métro, dans les bouchons, quand tout est bloqué et tout en retard. Hello! Ok, je ne regarde, je vois pas vraiment, mais c'est Dieu qui voit. Okay. Mais je me vois quand je suis contrarié. Mais ici, il dit que vous soyez contrarié ou pas contrarié, rendons grâce à Dieu. Hébreux 13, 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est quoi la différence entre la louange et un sacrifice de louange? Merci, c'est le prix. Écoute, si je te donne, je ne sais pas quoi, 10 000 euros, qu'est-ce que tu vas dire? Merci. Est-ce que c'est difficile de trouver la reconnaissance? Ah ben non, quand même. Si je donne une facture pour 10 000 euros. Non, merci. Ça, tout d'un coup, pour dire Alléluia, merci, là c'est un sacrifice parce que logiquement, visiblement, il n'y a aucune raison d'être reconnaissant. Le monde ne sera pas reconnaissant. Les gens du monde vont râler. Ils vont faire blocage, ils vont manifester, ils vont faire plein de trucs. Mais nous, celui qui est racheté, bien aimé, Dieu dit, même quand ça coûte, je veux que tu me dis merci. C'est ça la différence entre louange et sacrifice de louange. C'est le prix à payer.
Et croyez-moi, mes amis, vous savez, quand je préparais ce message, combien de fois j'ai eu cette image dans ma tête. Je ne sais pas si vous avez lu les témoignages, l'histoire des chrétiens persécutés, surtout à l'époque des Romains. Il y a beaucoup de tableaux qui sont peints pour mettre en image la souffrance de ces chrétiens. Et il y en avait une image particulière qui m'a resté figée dans mon esprit. Et c'était toute une famille, papa, les enfants, même un petit bébé, qui était sur le point d'être dévoré par un lion dans l'arène de Rome. Et ils étaient tous là, les mains levées, le regard vers le ciel, en train de remercier Dieu. Et tu vois, je me suis dit, mais waouh! Ça, c'est vraiment un sacrifice de louange. Tu vois, qu'est-ce mes difficultés dans la vie? Vous voyez, c'est relatif. Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mes amis, mais pour provoquer un esprit de gratitude. Si quelqu'un, dans le pire de situation, peut trouver la grâce pour être reconnaissant, pourquoi nous avons si de mal? Hello. Éphésiens, pour revenir sur Éphésiens, en chapitre 5 et le verset 18, désolé, j'ai beaucoup de textes à vous lire, mais parfois c'est juste bien que la Bible nous lave. Amen. Et je vous encourage de noter ces textes et peut-être revenir pendant la semaine pour vraiment cultiver, vraiment au fond du cœur, une culture de reconnaissance. Dans le verset 18, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Maintenant, il va nous dire comment être rempli de l'Esprit. C'est pas toujours facile, mais ce n'est jamais compliqué. Hello. Est-ce que je peux le répéter? C'est rarement facile, mais ce n'est jamais compliqué. Voici l'anecdote ou le médicament pour la rhume de manque de reconnaissance. Prenez une bonne dose de psaume. Chantez des hymnes et des cantiques spirituels, même si vous chantez faux. Amen. Ne vous souciez pas. Bon, si vous chantez faux, on va peut-être réfléchir deux fois avant de vous mettre dans l'équipe de louange, OK? Mais quand vous chantez à Dieu, il entend le cœur avant d'entendre les cordes vocales. OK? Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Combien de choses? OK, quelqu'un, des experts en grec. Tout en grec veut dire tout. Très bien. Si j'ai 100 pièces dans ma poche, et je te donne 99, est-ce que j'ai tout donné? Non. Non, tout veut dire tout. Donc, quand Dieu dit remercier ou rendez continuellement grâce pour toutes choses, est-ce que tu penses que Dieu veut vraiment dire toutes choses? Et les choses horribles? Quand le mal triomphe, le bien, faut-il rendre grâce à Dieu? C'est pas un peu insensé quand tu vois les tragédies dans le monde? Dire merci Dieu, dis ça en public, les gens te prendront pour un fou. Je vais vous expliquer dans un instant comment le faire. Chose qui est extraordinaire, même dans l'intercession, Paul il dit à son fils Timothée, en 1 Timothée 2, verset 1, il dit, mais quand tu rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour tous les hommes. Il y a des hommes pour lesquels rendre grâce à Dieu pour lui, mais tu plaisantes. Je prie, OK, pitié Seigneur, sur le gars que j'aimerais voir vraiment une éclair du ciel tomber sur sa tête.
dans la grâce de Dieu. Par amour. Une éclair d'amour. Mais rendre grâce à Dieu pour lui, mais ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Rendre grâce à Dieu pour ma situation qui me fait que des angoisses. Rendre grâce à Dieu pour mon voisin qui ne fait que m'embêter. Rendre grâce à Dieu pour mon enfant qui vit dans la rébellion. Rendre grâce à Dieu pour mon mari ou ma femme qui est rétrograde. Amen. Rendre grâce à Dieu pour mon patron qui profite de moi. Amen. Rendre grâce... Hello! La Bible dit rendre grâce à Dieu pour tous les hommes. En Philippiens, Paul il dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Mais il parle à qui? À nous? « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos supplications à Dieu avec des actions de grâce. » Alléluia. Incroyable. Et pourquoi? Pourquoi alors faut-il rendre toujours grâce à Dieu? Il y a une clé en psaume 107. Dans le psaume 107, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Juste quelques petits points. Le mot « louer » en hébreu ici veut dire « une main ouverte, étendue ». D'où vient la notion de lever les mains devant le Seigneur? Ok? C'est un petit peu ça le sens. Mais il y a dedans, bon, ça, on peut le traduire louer Dieu, célébrer Dieu. Mais j'aime bien cette notion de remercier Dieu. Et pour quelle chose vais-je lui remercier? Première chose, pour sa nature, qui il est? Il est bon. Dis merci à l'Éternel car, tout simplement, il est bon. Tu dis oui, mais moi je suis malade. Mais est-ce que ta maladie change la nature de Dieu? Donc tu peux toujours lui dire, je te remercie Dieu parce que tu es bon. Si tu es dans un accident de voiture, est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est pas bon pour toi. Mais Dieu, est-ce qu'il est toujours bon? Oui. S'il y a une guerre, s'il y a des morts, s'il y a une catastrophe naturelle, est-ce que Dieu change sa nature? Non. Donc, en toute situation, quelles que soient nos circonstances, on peut toujours dire, Seigneur, merci pour qui tu es. Deuxième, il dit, « Car sa miséricorde dure à toujours. » J'aimerais faire tout un enseignement sur la miséricorde. C'est le mot en hébreu « chesed », c'est un mot très particulier. C'est un mot que Dieu a donné à Israël. Et c'est un mot d'alliance. En fait, il faut tout un livre pour décrire le mot « chesed ». Mais en gros, ça parle de tout ce côté de bienveillance en Dieu, son amour, son affection, son désir pour ta réussite. Tu vois? Le fait qu'il est pour toi, il n'est pas contre toi. Mais et pourquoi ce mot est si important? Parce que ce n'est pas lié à ton comportement, il est lié à une décision de Dieu. Dieu a choisi de donner chesed à son peuple. Le peuple ne l'a pas mérité. Si vous voulez, chesed, c'est la prémisse de la grâce. Dieu, il rajoute tout simplement, dans le chesed, pour faire de la grâce, il rajoute une puissance du ciel pour nous transformer. Mais à la racine, grâce et chesed, c'est la même chose. Alléluia. C'est la bienveillance de Dieu. Il a décidé de t'aimer parce qu'il a décidé de t'aimer.
point barre, pas de négociation, pas de raison. Il a pris la décision, c'est le chesed. Donc je lui remercie pour qui il est et qui il est pour moi. Il est qui pour toi? Et si tu n'as pas la fondation de ces deux choses dans la vie, comment peux-tu lui remercier chaque constante? Il n'y aura aucune logique dans une telle reconnaissance. Mais si je sais qu'il est bon, et si je sais qu'il est pour moi et pas contre moi, et tout concourt au bien pour ceux qui sont appelés et ceux qui l'aiment, moi, je peux trouver la grâce pour dire, Seigneur, merci, même quand mes circonstances, sur le coup, sont négatives et contre moi. Parce que je sais qui tu es, je sais qui tu es pour moi, et en conséquence, même le mal, tu changeras en bien. Amen. Et peut-être, il faut que je persévère. Mais ma joie viendra parce que je peux persévérer dans la gratitude de qui il est. Et quand ma gratitude coûte cher, c'est là où la gratitude libère une puissance miraculeuse. Très rapidement, parce que le piano me dit qu'il fallait déjà terminer, mais je garde la meilleure pour la fin. Vous vous souvenez la fois où Jésus, il a pris les deux poissons et les cinq pains. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a rendu grâce. Et qu'est-ce que Dieu a fait après que Jésus a rendu grâce? Qu'est-ce que Dieu a fait avec ce que Jésus possédait? Il a multiplié. Ce qui est extraordinaire, j'ai trouvé un texte en Jean chapitre 6, je ne me souviens plus le verset, peu importe. Mais là où Jean y raconte le miracle de la multiplication, il se souvient de cela. Ça veut dire qu'on est quelque temps après. Et quand il se souvient, il dit cette phrase, « C'est le lieu où Jésus a rendu grâce. » Il faut savoir, bon, Paul et Silas, une fois, ils étaient arrêtés et jetés en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu grâce. Et la prison est devenue leur lieu où ils ont rendu grâce. Et quand ils l'ont fait, Dieu, il a libéré une puissance miraculeuse dans le lieu où ils ont rendu grâce. Et Dieu les a libérés de la prison. Si vous voulez vraiment savoir une des clés, mes amis, pour la délivrance, c'est la gratitude. Parfois, on rend la délivrance tellement compliquée. Et parfois, il faut juste faire un sacrifice de louange. Quand ça te coûte, Dieu, il exauce. Et quand Paul dit aux Philippiens, quand vous rendez grâce en toute cette situation, la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton âme et ton cœur. Tu vois, c'est extraordinaire que quand il y a vraiment ce sacrifice de gratitude, c'est là où Dieu libère une puissance miraculeuse. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. La gratitude change notre intelligence. Quand tu cultives vraiment un cœur reconnaissant, tu sais, ça commence à changer ton cerveau. Et
tu ne vois pas toujours la vie avec un œil négatif. Tu vois la vie avec un œil positif. Ça change vraiment le disque dur. La gratitude améliore nos relations. Je peux vous citer plein de tests qu'ont fait les psychologues à droite et à gauche dans tous les pays. Et sans exception, quelqu'un reconnaissant a de relations plus saines. Nous le vivons. Bon, les psychologues, il faut faire un test pour le prouver. Mais bon, bref, nous l'avons déjà prouvé dans la vie, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez passer du temps avec quelqu'un de négatif? Non, personne n'aime ça, même en France. On va changer notre culture. Alléluia, amen. La gratitude encourage les sacrifices, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te dit merci, n'est-ce pas vrai que tu es prêt à refaire un sacrifice? Mais si tu fais un sacrifice et personne ne te dit merci, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est un petit peu plus difficile. J'ai trouvé un texte qui nous montre aussi que la gratitude rend l'Évangile plus attirante aux non-chrétiens. Incroyable. La gratitude libère la puissance de Dieu. J'aimerais vous encourager dans cette saison. On entre dans une saison de consommation. J'aimerais vous encourager, mes amis. Faites de votre gratitude un cadeau. Et commence à distribuer ce cadeau partout. Commence avec des choses qui sont faciles, qui ne te coûtent pas très cher. Des gens qui ont fait quelque chose de bien pour vous. Vous savez, il y avait un test dans la Pennsylvanie. Ils ont testé 411 personnes qui avaient souffert de dépression. Et un psychologue avait une idée. Il a dit, voilà, trouvez quelqu'un dans ton passé qui a fait quelque chose de bien pour toi, mais tu n'as jamais eu l'occasion à lui remercier. Et envoie-le une lettre pour exprimer ta reconnaissance. Vous savez ce que les psychologues ils ont découvert? Que cet acte de donner ou de manifester la gratitude avait plus d'impact sur leur état mental que toutes les drogues qu'ils avaient utilisées. La gratitude est une véritable puissance spirituelle dont notre cœur croit. Alors, utilisons-le là. Amen. Servons de cette puissante arme spirituelle. Alléluia. Et Seigneur, notre premier acte aujourd'hui dans la gratitude, c'est ici auprès de ta table. Surtout, Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour ton sacrifice. Imaginez, mes frères et sœurs, quand Jésus a pris le pain lors de ce dernier repas avec ses disciples et il a dit, « Voici mon corps qui est brisé pour vous. » Et il a remercié Dieu. Il a rendu grâce. Je suis absolument convaincu que ce moment-là était la raison pour laquelle Dieu a envoyé un ange pour rencontrer Jésus dans le jardin. Parce que Jésus avait déjà remercié Dieu pour la croix dont il allait souffrir. Seigneur, nous te remercions pour ce pain et tout ce que ce pain représente aujourd'hui. Nous te remercions pour la coupe qui est la coupe de la nouvelle alliance faite dans le sang de Jésus. Nous bénissons ce pain, nous bénissons cette coupe
Et nous bénissons tous ceux et celles qui prennent de cette table d'une manière digne de ce sacrifice. Seigneur, nous bénissons la table qui nous accueille dans ta présence au nom de Jésus et nous déclarons que cette table est une table de guérison et de délivrance pour chacun qui vient dans la foi. Si les membres du conseil spirituel peuvent se mettre auprès des tables, nous avons les deux tables ici sur le devant. On a une petite table là, derrière. J'aimerais vous encourager, on finit le culte ici et merci à nos internautes d'avoir suivi. Alors va rapidement, prends un morceau de pain et prends du vin ou du jus de raisin, voilà, et célébrez la table du Seigneur chez vous, d'accord? Ici, je vous encourage de vous mettre avec quelqu'un ou deux ou trois personnes et de célébrer le pain et la coupe en famille, ok? Que Dieu vous bénisse, la table est ouverte, vous pouvez vous approcher. Si vous avez une raison de ne pas prendre de la table, parle avec un responsable, ok? Réglez les choses à l'intérieur pour que vous puissiez en participer, ok? Que Dieu vous bénisse. Amen.